main du travail posée sur ma petite tête. Comme l'eau de colonne sur mon corps les jours de fête. La coupe à l'eau laisse s'puiser des mains accrochées aux souvenirs de mes vieux. Comme à cette barre au fond du bus, les paquets de gâteaux secs. Les cernes à table, crois-moi, ça a fini son assiette. La tendresse, l'amour, la culpabilité. La sagesse, le labeur, les responsabilités. Un tas de souvenirs que je traîne comme un paluchon. À la maison, il n'y avait pas le temps pour les batailles de polochon. Voir ces vieux, un soir sur deux au mieux. Parce que sa job, ça milite pour un futur adieu. Dans leurs yeux, observer la nostalgie du pays. Le manque, les regrets, tous coincés à Paris. La dignité, l'humilité, chaque matin que Dieu fait. À 5 heures, cherche pas, faut du courage pour se lever. Et chaque jour passe et se ressemble. La fortune ne vient pas, mais on reste ensemble. Combien d'heures à regarder ce ciel gris maudit dans ma banlieue qui parfois s'apparente à un taudis. Quotidien pourri par le taf et le prix de la vie. Gamin, on comprend pas tout, mais on capte le sevis. De clébard, PMU, exploitage au bar. Sécu, SAMU et sa mère au shtar. On y revient chaque matin comme le 1er juin. On attend les congés mais y'a rien comme sous le sapin. J'aimerais croire en Dieu pour gratter un truc après. Quitte à faire semblant de prier sous le couperet. Tellement pauvre et prolétaire que j'en vois pas le bout. J'fume une clope et souhaite bonne nuit à mon petit bout. Un verre et puis un autre, un verre et puis un autre. La vérité frangin, j'te jure c'est pas de ma faute. Du charbon comme un tolard d'une prison. Enfermé dehors ou vivant mort sans aucune raison. On attend la fin, en évitant la fin. En espérant que le patron crève au bout du chemin. Mais c'est long, putain c'est long. La journée ne passe pas, j'en ai marre de tous ces cartons. J'ai mal au dos, mais j'ai aussi mal à la tête. C'est plus moral que physique. Et pas question de faire des courbettes, je maintiens la pression. Et crois-moi hors de question de supporter ça sans aucune contestation. Alors au moins qu'ils entendent ce que j'ai à dire. Quitte à les menacer, de les frapper et de partir. Aujourd'hui c'est jour de manif, jour de grève. C'est pour gueuler aux côtés de mes collègues que je me lève. C'est pas un jour comme les autres, c'est celui de ma dignité. Les mains du labeur se transforment au point levé.